Alors la première question, c'est pourquoi vous êtes ici maintenant? Parce que je veux un retrait du projet retraite. Voilà. Et puis qu'ils arrêtent de nous prêter pour des cons aussi, parce que j'en ai marre. Êtes-vous ici maintenant, sachant qu'en France actuellement le droit de manifester est plus respecté, les gens se font éborgner, mutiler. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir là aujourd'hui maintenant? Parce qu'on n'a jamais vu les gens se faire éborgner comme ça, vraiment. Je veux pas dans un système comme ça. Parce que c'est contre la justice et de l'argent qui tient les gens dans la misère, que quelques-uns souvent offrent de l'argent pour un certain temps, ils en ont tellement. Le seul problème, et c'est quoi en fait les problèmes? Ouais, le problème c'est Macron, c'est le capitalisme. Voilà. C'est la publicité, c'est le consumérisme, c'est. Ça a pété, mais il y a plein de choses déjà auparavant. Les écoles, les hôpitaux, tout ce qui est public, la démocratie, la démocratie, tout va être privatisé. La volonté d'individualiser pour en fait la société complètement de la fracturer, pour mieux régner. Les services publics sont cassés, tout va pour le fric, et le fric est le capital. Il y a besoin de lutter, il y a besoin que le peuple se réveille, et j'espère participer à ça. C'est quoi le vrai problème? C'est la société capitaliste, c'est le productivisme, c'est le libéralisme. Et donc le capitalisme.
ça va vous paraître bizarre, mais il se trouve que l'on vient d'un futur où il n'y a plus de capitalisme, l'exploitation, la compétition, l'exclusion ont disparu, et il n'y a plus les ressources qui sont concentrées dans les mains d'une minorité, mais par contre on n'a pas les traces de ce qui s'est passé en 2020, et en fait on voudrait savoir qu'est-ce qui s'est passé après cette grève qui fait qu'on est arrivé dans une société idyllique. Très bonne question. Donc, dans le temps, on parlait des 300 familles. Elles existent toujours. C'est quoi les 300 familles? Les 300 familles, c'était les barons de l'industrie, les Schneider, tous ces gens-là, en bas, il y en a. Elles sont levées. On a une boîte ici qui collaborait d'ailleurs avec les nazis pour la guerre mondiale. Parce que dès le mois de 40, ils se mettaient sous la protection de Fin-Colombe, qui était une fungale bouillée. Enfin, bonne. Ils ont inventé ce fameux produit pour gazer les gens. Vous ne savez pas ça. Et si ça existe encore au Musée national de la Résistance à Besançon, il y a des immenses panneaux où ils parlent de la collaboration des usines chimiques avec le régime nazi. Ah oui, parce que Hitler, il n'est pas arrivé tout seul, c'est les autres qui lui ont donné du pognon. Et on retrouve le même système en Allemagne. Qui finance qui? Sans révolution, honnêtement, moi je vois pas comment. Moi je sais pas comment. Et surtout la planète.